Coucou. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Rexnel, direction la Corée du Sud avec un boss groupe coréen qui ont débuté apparemment en 2019, mais je ne connais pas du tout ce boss group qui se nomme BZ Boys et leur nouveau titre qui est sorti aujourd'hui ce matin, Close Your Eyes. Franchement, je ne connais pas du tout, j'ai seulement vu dans mes suggestions et je me dis mais pourquoi pas découvrir un nouveau boss group, parce que pour ma part c'est un nouveau boss group parce que je ne connais pas du tout, même s'ils ont débuté en 2019. Ça se peut que j'ai entendu leur son dans ma playlist. Franchement, j'en sais rien, mais j'ai hâte quand même de découvrir ce beau groupe coréen qui a débuté en année 2019. Et c'est parti, je vais découvrir ceci maintenant. On dirait qu'ils ont fait tous leur cheveux bicolore ou quoi? Ah non. C'est intéressant tout ça. Il a vraiment un truc, tu vois. Il y a vraiment des textures de voix très intéressantes. Ils sont tous grands quand même. Hein. Et ouais. Oh, c'est dommage que je ne les ai pas connus avant. Je pense que j'irai voir ce qu'ils ont fait d'autre depuis 2019. Ça fait quand même 2 ans. Hein, donc un peu plus de 2 ans. T'as à un moment donné un instrument traditionnel coréen là. Là on entend encore. J'aime beaucoup avec cet effet de lumière, tu vois. Mais ça sera plus pire, mon Vraiment en mode un peu shakespearien, comme ça, princier. C'est canon. Il y a de l'eau. Ils ont tous un visuel de ouf, il faut que je me renseigne beaucoup plus sur ce boss group, hein. Franchement. Yeah. Ça devait être pas facile de faire ça dans un champ et toute cette poussière, ça devait être chiant. Wow, très belle transition. On n'a pas vu beaucoup de flotte, hein. Je trouve ça dommage. J'adore ça avec ces mèches rouges, là, c'est canon. Et cet instrument traditionnel coréen, ça donne ce truc en plus. Et ces tenues, ça fait un peu style les kimonos. Enfin, pas les kimonos, parce que ça, c'est plus Japon, mais les tenues traditionnelles, là, tu vois. Oh, leur logo est sympa, franchement. Alors franchement, pour moi, c'est comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est une totale découverte.
Et franchement, c'est dommage, je les ai pas connus à leur début. Parce que cette chanson, c'est un gros coup de cœur, que ce soit les couplets, le refrain. Et même à un moment donné, vous avez eu beaucoup d'instruments traditionnels coréens. J'aime vraiment beaucoup quand on utilise ça dans une chanson moderne, actuelle. J'ai beaucoup aimé le visuel des membres. Certes, le MV reste simple, mais je trouve que esthétiquement parlant, c'est vraiment pas mal du tout. Comme c'est un petit groupe, je suppose, petit budget, mais pour ma part, c'était vraiment pas mal. Leur costume, j'ai vraiment tout aimé, ils sont juste canons. Franchement, très beau visuel. Il y a de très belles textures de voix également en rap. Franchement, rien à dire. Je pense que je vais aller voir ce qu'ils ont fait d'autre depuis début. Depuis début 2019, parce que franchement, là, ça a été un gros coup de cœur musical. Et il y a quelques membres qui me faisaient de l'œil, oui. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si de 1 vous connaissez ce boss group, si vous avez plus ample information, franchement je suis preneuse parce que moi je les découvre à l'instant. Est-ce que vous avez également aimé leur nouveau titre et leur MV? Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous et de votre famille, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, Sayonara.